Oh, salut les amis. Fou, J8 du confinement. J'en profite un peu, je prends l'air, j'en profite pour faire du jardin. D'ailleurs, je vous fais un prochain tuto sur quel est le meilleur outil pour biner. J'hésite encore, je sais pas trop. 52, 56, 64, trois instruments indispensables à avoir dans son jardin, mais je vous fais un tuto quand on sera sorti de ce confinement. Aujourd'hui, j'avais besoin de prendre l'air, j'en peux plus. Puis t'as vu la météo, le printemps arrive. Ça reste quand même le meilleur moment pour s'occuper du jardin. Donc aujourd'hui, un tuto spécial confinement en extérieur. Hop, les bons instruments, le gant, baguette d'alignement, toujours hein, l'essentiel au golf, c'est quand même les alignements, la posture, le grip. Et je vous propose aujourd'hui un atelier tonte et sortie de bunker. Vous allez comprendre. Baguette d'alignement pour bien garder une posture dans le jardin. Et le but va être de travailler son swing. Voilà. Donc en douceur dans un premier temps, on réveille le corps. Hop. On avance. L'exercice sera utile en termes de tonte à partir du moment où vous avez un swing régulier et votre instrument qu'on appellera aujourd'hui une binette. Aujourd'hui, j'ai pris une binette de 8. Vous permettra d'avoir un sens de tonte très régulier. Voilà. En rythme. Je suis d'accord, je pense quand même à ceux qui n'ont pas de jardin. Je suis désolé, mais trouvez-vous une partie commune, un espace vert dans la résidence, et puis dites que vous rendez service à la communauté. Vous venez donc, enfin, trouver des excuses. Non, en fait, c'est pas une bonne idée. J'ai pas envie d'être confiné 15 jours de plus parce qu'il y a des malins qui sont allés faire du golf dans les rues. Restez chez vous, n'oubliez pas. Ah, oh, des pâquerettes. Mais dis donc, c'est pas une tasse qui arrête pas de nous dire couper le haut du pissenlit. Profitez-en. Avec un fer, les pâquerettes. Hop, hop, hop. On en profite pour garder le rythme. Et on peut même chercher à accélérer le swing. Travail de vitesse. Les amis, si avec ça vous n'avez pas un jardin à l'anglaise, je sais plus quoi faire. Oh putain, ça crève le jardin. Ah, c'est bon de faire le jardin. Je crois que je vous avais dit qu'on travaillerait le bunker. Allez, c'est parti. Atelier bunker dans le jardin. Mais c'est quoi ça? Une mauvaise herbe? Mais on en profite pour traiter les mauvaises herbes. Principe du bunker, rentrer dans le sable puissamment pour éjecter la balle. C'est bien ça qu'on nous dit dans les cours. Allez, on profite des mauvaises herbes. Ah! 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 Voilà, mais ces balles-là, elles s'éjectent violemment du sol. Tu sais quoi? Je sais pas si ça va améliorer ton golf. Mais au moins, ça défoule. Tiens! C'était le tuto. J8 de confinement et je voudrais quand même rendre un petit hommage aux greenkeepers qui en ce moment entretiennent nos petits jardins golfiques. Ça va être des bijoux quand on va pouvoir retourner sur les parcours. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous et vivement que le golf reprenne, je vais péter un câble. Demain, on voit comment remettre en état un bunker et on enchaînera par replacer ses divots. Ok? Allez, moi j'y vais, j'ai encore tout le jardin à finir. Bon, je crois que le mieux, c'est quand même la binette de 52. Oh, j'hésite encore. Hein. 52, 56, 64. Pour le jardin, je me pose quand même la question. À demain, les amis.